Info de la MJC Mon Plaisir. Je suis en compagnie de Frédéric Bertrand, vous avez pu le voir et l'entendre. Frédéric Bertrand, qui est coordinateur de l'école associative de musique de la MJC Mon Plaisir, intervenant aussi en musique, en guitare électrique, en picking, en basse. Certes. Atelier de jazz. Atelier de jazz. Alors, première question, Frédéric, qui peut venir à la MJC pour la musique? Qui peut s'inscrire à la musique? Tout le monde. Tout le monde. Tout niveau. Les débutants, bien évidemment, mais les niveaux confirmés sont les bienvenus. D'accord. Tous âges. On va dire à partir de la maternelle, à partir de 4-5 ans. Ah, à partir de 4-5 ans. Voilà, ouais. Jusqu'au centenaire et plus, hein. C'est pas un problème. Ça, c'est génial. Voilà. C'est génial. Donc, nous avons, pour les plus jeunes, nous avons donc la classe du jardin musical avec Claudia. C'est de l'éveil musical pour les maternelles. Donc, les enfants découvrent l'univers des sons, des rythmes à travers des chansons, des comptines. Des petits exercices de rythme, etc. Mmh. Voilà. Et après, ça peut aller donc jusqu'à un ensemble ou en cours individuel, en cours collectif, comment? Alors, on a plusieurs formules. Déjà, pour les cours d'instruments. On a des cours d'instruments en individuel, bien évidemment. Le prof, tout seul avec l'élève, pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, mmh. à plusieurs choix. Et on a aussi des cours partagés. Cours partagés, donc deux élèves sur trois quarts d'heure, ou trois ou quatre élèves sur une heure. Voilà, ce qui permet... un jeu plus collectif et puis des échanges, de l'émulation. Ça, c'est pour le cours d'instruments et on a aussi des ensembles instrumentaux, bien évidemment. D'accord. Alors là, il y a plusieurs esthétiques. Hein. On a un ensemble musique ancienne, musique baroque, musique de la mm-hmm. Renaissance, donc musique classique. On a des ensembles rock, on a des ensembles jazz, on a aussi ensembles vocaux, etc. D'accord. Avec un petit peu de solfège, comment ça se passe pour les débutants, par exemple? Oui. Pour les enfants, particulièrement. Pour les enfants. Pour les enfants, on propose une formule unique qui globalise donc le cours d'instruments et ce qu'on appelle les ateliers comprendre et jouer. Mm-hmm. Alors, qu'on peut pas réduire à uniquement au solfège. Voilà. Parce qu'ils font du solfège, mais ils font aussi travail d'oreille, ils font de la culture musicale. Voilà, parce que avant c'était solfège, oh là là, apprendre les notes, voilà. Enfin bon. Alors ça, c'est solfège à la papa. Ça n'existe voilà, plus. Ça n'existe enfin, plus. Ça existe, mais, ça existe, mais c'est façon beaucoup différente. Plus ludique, c'est D'accord. beaucoup plus sympa. D'abord, Aurélien, donc, qui encadre ces ateliers-là, fait travailler les enfants avec leur instrument. D'accord. Donc, les enfants, ils viennent en cours de solfège, on va dire, culture musicale, avec leur instrument, et c'est appliqué directement à l'instrument. Ouais, c'est voilà. Très et sympa, on a investi ça. Depuis maintenant 2 ans en informatique musicale. Mm-hmm. Et donc les enfants aussi pratiquent la MAO, ce qui s'appelle musique assistée par ordinateur. D'accord. Voilà. Alors j'ai vu un petit peu qu'on avait à peu près beaucoup d'instruments représentés. Alors il y a quand même quelques nouveautés. Donc les instruments représentés, je les mettrai donc sur notre site. Des nouveautés depuis oui. l'année dernière. Cette année nous avons le ukulélé. D'accord. Avec Cyril Keller, pardon.
Et nous avons le sax, oui, comme nouveauté. Et j'oublie sûrement quelque chose, nous avons les ateliers vocaux, aussi musique actuelle, qui étaient déjà présents sous une autre forme, mais qui sont un petit peu réactualisés. D'accord. Alors, si on veut voir tout ça, si on veut se rendre compte, est-ce qu'il y a des représentations, des concerts? Est-ce qu'on peut voir ça dans l'année ou plusieurs fois dans l'année? Bien sûr, deux fois dans l'année, avec les semaines musique. Il y en a une en janvier et une en juin. D'accord. Où là, c'est toute l'école de musique qui investit la MJC, on investit la salle de spectacle, on investit le bar, on investit un petit peu. Il y a déjà tout. Des dates prévues? Oui, elles seront en ligne sur le site. Une D'accord. En janvier, une en juin. D'accord. Et la dernière question, en fait, comment on fait pour s'inscrire? Est-ce que... C'est très simple. À partir de la fin de saison, c'est-à-dire vers juin-juillet, nous mettons à disposition du public des fiches de vœux sur lesquelles les gens remplissent donc leurs coordonnées et leurs souhaits. C'est-à-dire, je veux faire tel instrument avec solfège, etc. Ou je veux faire tel ensemble. Et nous, ensuite, nous traitons avec les enseignants, nous traitons toutes les demandes et nous donnons les réponses, en général, vers la deuxième semaine de septembre. D'accord. L'affectation. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Donc, on va peut-être se quitter en musique ou pas? Ah. Non? C'était mieux. C'est bien pour vous. Alors, ben on va se quitter en musique. En tous les cas, toutes les informations, je les donnerai sur le site internet. Suivez notre page Facebook. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.